Bienvenue sur la 40e édition du Tour des Flandres, 238 km donc avec un départ de Puygand et Alphonse van den Branden s'est isolé à plus de 60 km de l'arrivée. Derrière Plankaart et Alfred De Bruyne sont partis en chasse derrière leurs compatriotes. Ils sont revenus, on a trois hommes à l'avant de la course. À 40 km de l'arrivée, De Bruyne décide de sortir tout seul, mais derrière Rik van den Bergen ramène un énorme groupe sur le coureur belge De Bruyne. Et finalement, dans les derniers kilomètres, Jean Forestier de la formation Folies Dunlop s'impose donc avec 9 secondes d'avance sur Stan Aukers et Léon Van Dahl. Et c'est la deuxième victoire française en 2 ans, un an après le succès de Louison Bobet.